ketchup sur mon lit. Oh non, je vois plus rien. Toute ma page est rouge. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On la lave. Ou on achète un autre lit. Mais c'est justement ça la phrase. Il y a une longue tache rouge sur la page du livre. C'est ça qui arrive quand on échappe son ketchup. Faire attention, hein? Quand on a des breuvages, puis quand on a de la nourriture proche des ordinateurs. Hein? Moi, j'ai un élève, je nommerai pas son nom, qui a renversé son verre d'eau sur le laptop. Là, la maman a tout perdu parce qu'on a bu à côté d'un ordi. Faut faire attention. Ok, si. Premier mot de la phrase. Il. I-L. Deuxième mot. I. Y. Troisième mot. A. Quatrième mot. Une. U-N-E. Cinquième mot. Longue. Longue. Maintenant, comment le G va faire gue, gue, gue avant le E? Parce que G devant E, normalement, ça fait je. Ah! On rajoute un U. Quand le G est en avant du E, là, je te montre juste le long ici, là. Mais tu vois, on vient mettre un U entre le G et le E. Comme ça, ça fait longue et non pas longe. Donc, longue, L-O-N pour long, G-U-E pour gue. Tu vas t'en rappeler? Quand il y a un mot qui finit par gue ou que tu entends gue, ben tu viens mettre un U entre le G et le E. Ça fait gue. C'est bon? OK. Il y a une longue tâche. Deux syllabes. Tâche. Ta. T-A. Che, ch, e, c-h-e, tache, rouge, comme mon rouge à lèvres, ou mon nez, rouge, rouge, r-o-u, roux, g-e, je, il y a une longue tache rouge, sur, sur, S-U-R, sur, S-U-R, il y a une longue tache rouge sur la, la, L-A, page, page, pa, P-A, je, G-E, page. Il y a une longue tache rouge sur la page du, de, U, D-U, livre, livre, li. T'es capable d'écrire la syllabe li, L-I, vre, v, r, e. V-R-E, livre, point. Il y a une longue tache rouge sur la page du livre. Vérifie si tu as bien tout écrit. C'est beau? Fais attention hein, pour ne pas faire une tache rouge sur ton livre, toi aussi. Bonne journée!